C'est une raie de 666 livres qui a été attrapée au Cambodge. Les journaux et partout, ils disent 661, mais vous le savez bien, c'est pour diminuer la charge de la peur parce qu'ils savent que dans le fond, c'est 666. J'ai entendu dire aussi qu'au Cambodge, les livres, ils sont un petit peu moins lourds. Fait que ça reviendrait à ça, donc une livre de 666 livres, la livre de Satan, la raie de Satan. Y'a-tu quelqu'un qui va allumer puis qui va me fermer ça, le site de l'Institut national de la santé publique du Québec? Les kids qui savent pas comment ça marche, aussi pour se faire mal avec ça. Ça se pisse d'un culotte tellement ils sont contents de nous montrer des chiffres sur le site de l'INSPQ. Attends une minute, là. C'est pas toi qui broyais que ces chiffres-là avaient été honteusement manipulés par le gouvernement il y a 2 ans? Oh, regarde, je t'en veux pas. C'était comme la première fois que j'ai rencontré Cassandra. T'as le premier à chialer que ces boules avaient été falsifiées, mais. Depuis que je peux me mettre la face dedans. Ils sont bien corrects. Là, toi, d'après ton analyse de chiffres de la INSPQ, tu veux me prouver qu'encore aujourd'hui, il y a juste des petits vieux qui meurent de la COVID? T'as raison. Par contre, si j'utilise ton raisonnement, si on compare le nombre de morts de petits vieux de 2022 versus 2020, ça prouve que la vaccination marche un hostile temps. J'ai aussi raison. Je t'entends déjà. Je me sortir ton analyse complexe se terminant invariablement par... Est-ce dit lettré de câble, de crétin sale, de tabarnak? Faut que tu comprennes que les chiffres, c'est comme un gars après 4 heures d'une valise de char dans un rang de garde-notes. On peut y faire dire n'importe quoi. Tu me crées pas? Tu t'es jamais demandé comment ça se faisait que toutes les radios du Québec étaient toutes numéro 1 en même temps? Ça se peut pas! Pourtant, les chiffres le prouvent. Il me semble que ce serait une belle occasion pour vous autres de vous tenir debout pis lever le voile sur ce grand mystère. Es-tu malade? Toi, il faut lire les petits caractères! Mais c'est sûr! En passant, sur ton site de l'INSPQ, j'ai aussi trouvé une étude qui prouve que la majorité des pilotistes n'ont pas un secondaire 5. Fait que tu m'excuseras si je me garde une petite gêne quand tu me présentes une de tes savantes analyses de données. C'était un conseil de Grumeau, ton coach de vie. Moi, t'apprendre à vivre, mon esti. Les bottes cannes? Oui, tu veux ta canne, Bébite? Et toi, Griffon? Vous voulez votre canne? OK, on va aller chercher la canne. Puis là, je me trouvais vraiment drôle parce que la veille, j'avais gardé l'autre canne. Je l'avais réussi. Hey, juste, tu vas lui donner la canne vide. Ça va être drôle. Oh, mon Dieu, ça va être drôle. Regardez. Oh, oui. Ah, est vide. Tiens, est vide. Hey, ça, c'est drôle. Vraiment trop drôle. C'est drôle, hein? Vraiment drôle, hein? C'est vraiment drôle. Non, mais je suis drôle, là. Dites-le. Oh oui, c'est drôle. Globo? Utilisez le code promo GLOBO pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique. Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. 70%, c'est mon choix pour les chroniques pis pour les sets de VJ. 70%, les lundis. On finit la soirée avec un film douteux. 70%. Tu es au brouhaha? Non! Mais là!
regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé,
Je suis pas assez sûr, là, il reste encore... ça. Le spécial de l'Halloween de Zurlu. Keeps on giving. Zurlu never dies. On va l'avoir fait, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce Mercronspi. Le 90e déjà. Vous allez le voir dans pas longtemps. C'est notre bon ami Max Larue qui est là, qui s'est habillé en green screen. C'est lui qui a choisi l'image de ce soir. Mais avant, ben en fait, la toune qu'on va écouter en background, là, ça va être Turtles in Time. Excellent jeu. Ils ont sorti un nouveau d'un studio québécois en fin de semaine qui ressemble un petit peu à Shredder's Revenge. J'ai oublié comment il s'appelait. Qui est excellent. C'est, oui, excellent. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai joué juste seul à date, là, mais j'aime ça. Moi, la fois qui m'a conquis dans Smash Bros. Dans le temps, c'est que tu pouvais faire mal à d'autres personnes en lui garochant d'autres personnes. Et c'est quelque chose qui existe depuis un bon bout de temps dans les Turtles. Et c'est tout à plaisant de pitcher un foot soldier dans un autre foot soldier. Ici, quand tu vois, t'es... Oui, on est les stepbrothers, évidemment. C'est toi le grand frère. Aimez-vous oui. Les uns des sauces. Et là, il y a Steve qui fait signe à sauce de s'en venir. C'est tout Martin Godette de Ménage du Dimanche qui nous a fait ça avec le grand sauce Ferratu. Hein? Oui. Mon père, il l'appelle Calimero. Je trouve que c'est ça score bien. Oui, c'est quand même pas si mal. C'est très pas facile d'être dans la peau de Calimero. Hein, ici, les couples sont là, se font et se défont avec Stéphane. C'est terrible, pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Depuis la dernière fois que je suis venu, la guerre est pognée. Ah, ben oui, toi, t'as... Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben voilà. Oui, toi, t'as suivi ça un petit peu? Oui, à chaque semaine, attentivement. Mes mamans préfèrent... Pour vrai, voyons, quand Nana s'est sauvée de son propre live, ça m'a beaucoup fait rire. Puis elle a flagué le monde qui partageait ça. Mais là, moi, en tout cas, il va falloir faut me démêler en Joe Lindigo. Je comprends jamais vraiment de quoi il parle. C'est vraiment... C'est beaucoup trop de choses, beaucoup trop longues, dit dans un langage à la fois limité et cryptique. Ce qui est quand même un exploit, avoir un langage limité et cryptique. Et cryptique, en même vrai. Temps, c'est quand même un exploit. C'est vrai, parce que par définition, tu as moins d'objets avec lesquels créer une énigme, devenir cryptique. Exact. Salut, Max Larue. Salut tout le monde. Merci salut. Beaucoup de venir passer cette soirée avec nous. Un gros merci aussi. On salue les fouineux. C'est tout le temps de bon ton de saluer les fouineux en commençant. Je suis un gros fan des fouineux. Voilà, hein, on va faire notre petit éditorial avant de plonger, même que ce soir, tu nous en as fait un, mon cher. Oui, ben là, c'est la dernière fois, on m'a dit qu'il fallait que j'en prépare un, donc tu me diras go. Oui, et d'ailleurs, t'as vu, j'ai tout de suite relâché ton enfant. Oui, c'est vrai, ça a été automatique. Il n'y a eu aucune pression. Il a perdu un peu de poids, mais regarde, ça y évite un diabète plus tard, je t'appellerai. C'est parfait, on se tient au courant. Là-dessus, on va se lancer dans le petit éditorial. Merci de partager le show. Vous êtes notre seule publicité et j'aime ça comme ça. J'ai pas l'intention de ben aller plus large, ben aller plus gros, ben aller plus pesant. Sinon, Max, tiens, vu qu'à cette heure, je sous-traite, c'est toi qui vas lire tout ce qui est là. Ben oui. Dans le Mercronspi, on découvre en public un discours politique public partagé en public. Je prends une parenthèse pour m'excuser pour ma voix, comme je te disais tout à l'heure. J'ai passé la fin de semaine à Chicago dans un congrès d'endoctriné. Ah ouais? Oui, un congrès syndical d'endoctriné qui s'appelle Labor Notes. Et puis, je suis allé au karaoké et après 2 ans d'absence de la scène, ma voix n'est plus ce qu'elle était. Donc, c'est pas trop mal, mais si jamais je fais des « ah, c'est à cause de ça. Il n'y a aucun problème. Voilà. Partagé en public par des gens qui tentent d'influencer l'opinion publique. Tant bien que mal, hein? Il arrive qu'on rit du message, voire plus rarement du messager ou de la messagère, mais le but de l'expérience est d'offrir un écho de gros bon sens aux idées creuses et de tirer un peu toutes les pulsions vers le centre, vers le consensus. Pour ce faire, on tente de rester dans l'empathie, la patience,
l'humilité et le pardon. Nos propos visent la désinformation elle-même et l'exercice en entier tente de cibler les gourous qui gagnent en argent et en influence grâce à la désinformation. Notre critique et le ridicule qu'on peut parfois y percevoir ne visent pas les victimes de la désinformation et autres prisonniers des chambres d'écho. Nous sommes tous au sein de chambres d'écho. Un des fardeaux d'être adulte, c'est justement de devoir choisir ses chambres à écho. On est ici, dans le Mercronspi, une chambre à écho. On essaie de la garder civile, poreuse et ouverte à différentes formulations et opinions. Mais s'imaginer que notre communauté n'est pas une chambre d'écho, c'est se mentir. Effectivement. Et celle-là aussi, tiens. Oui. Tout le monde est au moins un peu conspi. Penser que les institutions sont fiables à 100%, c'est aussi cave que penser que les institutions sont fiables à 0%. Ça se tient, ça se tient. Toi d'ailleurs, extrême gauche modérée. Oui, tout à fait. Exactement. Extrême gauche modérée à tendance révolution tranquille. Ah ouais, hein? Ah ouais, bring back Duplessis pour avoir un ennemi commun, là. Exact, exact, c'est ça. Donc, merci aux modérateurs, vraiment beaucoup. C'est pas un travail facile de modérer quelque chose qui titille autant les passions que les dérives conspirationnistes et d'autrui. Tout le monde fait des erreurs. Moi, Max aussi, vous l'avez entendu parler, comment il y en a fait une. D'aller chanter. Plusieurs erreurs, en fait, la semaine dernière. J'espère que c'était pas en congrès avec une pin du Québec, là. Une pin du Québec? Non. C'était surtout des syndicalistes qui étaient là. C'est ça. Okay. Oui. Bon, voilà. Mais, anyway, même une si ça avait été ça. Une woke, là. Oui, Chicago, c'est la ville de ça, d'ailleurs. Ah, c'est la traite. Hey, pour vrai, mais sincèrement, ça m'a surpris de voir, tu sais, des fois, tu te dis, oh, on est tellement... Non, je pense qu'on peut être encore plus évolué. Là-bas, dans les centres d'achat, partout, au stade des Cubs de Chicago, il n'y a plus de toilettes genrées. Hey, ça doit faire mal, ça. Non, pas tellement. pas tellement. Il y a plus d'urinoir qu'avant. En plus? Ben, il y en a dans deux places. Ah, ben oui. Moins d'attente, moins de fil. Pour vrai, j'ai non. Aucun traumatisme. C'est ça. J'ai pas trop compris pourquoi c'était un problème, celle-là. Moi non plus. Moi, je me rappelle, à un moment donné, on était dans le Vieux-Port. Puis il y avait une file de genre 80 madames à côté qui attendaient pour la toilette des madames. Puis il y avait personne dans zéro personne dans la toilette des gars. Fait que j'ai dit, ben pourquoi vous allez, tu sais, on vous donne la permission, puis on est en questing en plus. Fait que j'étais un druide nécromancier. Fait que j'ai fait un spell, j'ai fait, je vais vous débarrer la porte, tu sais, briser la frontière de la barrière magique qui empêchait les madames. Puis écoute, j'ai finalement, il fallait juste dire ami en elfe. Probablement. Pour que ça ouvre. Hein? Belle. Belle. Donc, voilà, merci beaucoup aux modérateurs pour leur indispensable et important travail. Merci, toi aussi, cher public, de les aider et de les respecter dans ce travail-là. Hein, ils ne sont pas payés, c'est bénévole, ils sont gentils. Il n'y a aucun avantage à être modérateur de douteux. Fait que voilà, merci à eux autres pour ça. On vous invite aussi à bourrasser. Hein? Je t'ai sorti le petit oreiller, t'as vu? Tu sais comment c'est cool? T'as vu, il est écrit dessus? Bourrassez-moi de la collection Suburban, mesdames et messieurs. Le bourrassage, c'est un petit peu la manière d'en venir à sortir ses émotions sans les nier. Hein, parce que des fois, les retenir en dedans, ça fait mal. On a envie d'être choqué après Jean-Jacques parce que toutes les fois qu'il parle, c'est cave. Puis il y a du monde qui donne de l'argent encore, puis il ment, puis c'est un charlatan, puis un escroc. Puis, tu sais, t'as envie de, tu sais, dire, ferme donc ta gueule, Jean-Jacques, mais il est pas là. Fait qu'à la place de l'écrire, à la place de dire, va donc chier, ou gros Chris de connard, puis de peser enter, puis ça devienne une trace éternelle sur l'Internet de tes collègues humains, mais à la place, tu peux réussir à les sortir autrement. Moi, je suggère souvent les push-ups, ça peut être une très bonne manière, mais l'activité saine avec un oreiller consentant qui accepte d'être ton réception de bourrassage. Voilà, hein, je vous encourage ça. Sinon, on invite aussi, et j'insiste là-dessus, à aller pas achaler des gens privés avec l'intention de les confronter, même pour faire une blague. Quand vient le temps de bloquer quelqu'un, tu peux juste bloquer la personne. T'as pas besoin d'aller l'insulter. On vient de passer au travers de quelque chose comme ça, présentement, aujourd'hui, tantôt. Un gros merci à mes pushers de clips.
Très gros merci à mes poachers de clips. Le show serait vraiment pas pareil sans eux autres. D'ailleurs, à soir, c'est ça qui est un petit, qui est quand même pas mal cool. Là, je pense que j'en suis venu au moment et je vais revenir là-dessus en faisant mon petit texte d'éditorial de tantôt, mais que ce serait peut-être une bonne idée que je me forme comme une équipe de 5-10 personnes puis qu'on on s'approprie chacun un des spinners de bullshit qu'on considère encore important à checker. Et ces personnes-là ont comme la responsabilité d'écouter puis de sortir les quelques bons clips qu'ils peuvent avoir dans certains lives. Parce que le refuge, hein, un coup que t'es plus nécessairement autant bienvenu en public ou ce genre de patente-là, le refuge usuel, c'est toujours de faire des lives de 2 heures. Et c'est interminable. Et c'est pas vrai que je vais commencer à écouter toutes les lives de 2 heures pour avoir les pépites qui sortent de chacun des lives de 2 heures. Donc, merci vraiment beaucoup à mes pocheurs de clips. Voilà. Joe Lindigo is mine, c'est sûr que c'est Gorg qui a écrit ça. Ah non, c'est Gros Jambon. Oui, oui, c'est Gorg. Ben voilà. On est déjà à la locomotive de l'engouement. Merci beaucoup tout le monde d'être là. Tu es très patient, Gorg. Tu es oui. très patient oui. et tu as un esprit de compréhension des énigmes assez développé. Il doit être malentendant un petit peu aussi, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai, il n'y a pas besoin. Parce qu'à même si tu mets le son très bas, ça reste très fort. Hein? Je suis d'accord! Donc, moi, je voulais simplement... On va pas commencer. Ouais, parlant de Joe Lindigo, j'ai eu un trip à un moment donné. Sinon, ben, addendum, demain, je suis très content que Jason revienne faire un autre segment. Selected, Jason Selected, sur la guerre en Ukraine, qui ne se termine pas. C'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup qu'ils viennent faire ça. La semaine passée, j'ai entendu, t'as-tu pogné ça la semaine passée? L'addendum, non. À la TV russe, là, ils ont trouvé 2 gars, mettons un Anglais qui habite en Ukraine depuis 2016, depuis 2012. Fait que là, ils le considèrent comme un Anglais, mais là, ils l'ont, tu sais, capturé, puis là, ils vont l'exécuter. Mais c'est un militaire mercenaire pour l'Ukraine. Eux autres, ils disent mercenaires, mais tu sais, c'est un Anglais qui habite en Ukraine depuis 2012 puis qui est dans l'armée ukrainienne, même s'il a été Anglais avant d'être ukrainien. Fait que là, ça le tue. Mais là, il parle à la TV nationale, là, c'est genre Patrice Roy mm-hmm. avec Raphaël Jacob, là, tu sais. Puis là, il y en a un qui dit, mais là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on va les pendre? Parce que d'habitude, c'est les civils qu'on pend. Puis là, l'autre, il dit, oui, mais c'est aussi des militaires, hein? Faudrait les fusiller, parce que c'est militaires qu'on fusille. C'est un débat intéressant. Ah oui, on parle. Ben, puis là, il y en a un, il dit, oui, mais écoutez, on est en Europe aussi, puis on a quand même des méthodes ancestrales. On pourrait peut-être essayer de les écarteler, cette oui. fois-là. Ou la guillotine. Ben, ça, c'est trop français. Ben, c'est aussi trop civilisé, je pense. Non, mais c'était un souffle, c'était l'instrument de la mort de la raison. Oui, oui, oui. Un souffle sur le coup. Oui, tu le vois pas s'en venir, t'as pas... Sans rien. C'est ça, hein, on fait ça avec les dindes. Un souffle sur le coup. Ben, en tout cas, et sinon, c'est je suis... C'est ce que Jotin affirmait. Oui, c'est vrai. Je vous remercie tout le monde. Le 9 juillet, on fait le premier gala Mercronspi qui va être rediffusé live. C'est au brouhaha, c'était 10$ l'entrée, 12$ là, pour payer les taxes et tout, et faire sûr que InfoSect fait 10$ par personne présente sur place. Et on est, je pense, à quelques billets d'avoir la salle pleine. Là, on parle de, je pense, c'est 6 billets. Je vous remets ça là si vous êtes. Ben, c'était ça hier, fait que peut-être qu'il y en a déjà pu. On espère vous voir là. J'ai, encore une fois, je le rappelle, on a écrit « Gala, tenue de soirée, soyez créatifs ». Le plus important, là, c'est soyez créatif. C'est pas, mettons, oh, j'ai pas un beau costume, j'irai pas. Mets ton costume d'Halloween du Capitaine Spock, là, tu sais, ça va être cool, là. C'est ça qu'on veut, tu sais, qu'il y ait des couleurs, puis c'est pas tant. C'est un peu comme dans La cloche et l'idiot 1. Oui, quand ils vont à la fête, puis ils sont habillés en rodéo, là. Non, 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 quand ils vont au gala, puis qu'ils ont des sauts pas de bon sens... Orange et bleu pastel, complètement laid. Voilà, voilà. Fait que découvrez les affaires, ressortez vos vieux costumes, gars, voilà. Je pense que vous avez compris. Et je vous mets ici, avant d'aller plus loin, les liens vers Concède, une ressource en ligne via Facebook pour avoir probablement une petite valve pour discuter avec quelqu'un si vous avez de la difficulté avec une dérive, que ce soit vous qui la viviez ou quelqu'un de vos proches, ça pourra être un endroit où aller parler. Et InfoSect encore, bien entendu, quelqu'un avec qui j'ai pas quelqu'un, mais un organisme pour qui j'ai le plus grand respect et qu'on est toujours content
d'appuyer de quelconque manière. Ah ouais, moi, ouais, c'est vrai, j'ai spiné. C'est vrai, hein? Tu sais, on va le flipper. C'est à cause des rengaines. Et voilà, t'es de retour. Et ben. T'es parti? Ouais, ben, non. Tu peux pas comprendre, toi. D'accord. Toi, gars, je vais t'imiter, Max, gars. OK. C'est ça, t'es comme ça. Oui. Moi, je suis comme ça. Parfait. C'est ça, okay. C'est ça. Fait qu'on serait rendu au moment où on va bénéficier de la lecture. Ah non, c'est pas vrai, j'ai quelques liens. En fait, j'en ai 5. Je vais en mettre. Deux d'un coup, hein. J'aime ça faire ça, c'est des liens que je trouve, ouvrez ça dans vos onglets, vous les lirez plus tard, ou vous pouvez les ignorer aussi, il n'y a pas de blabla. Ici, c'est quoi? C'est John Eastman, c'est le nouvel avocat qui fait beaucoup parler de lui, là, pas en bien, à l'audience sur le 6 janvier, hein, encore les images, blabla. Et il y a aussi sur le site PsyPost, je ne l'avais jamais vu, mais billet de confirmation, j'aime beaucoup le ça dit que les mimes anti-vax promeuvent la pro-vaccination, genre, que de rire via mime. Ben oui. Mais tu sais, tu cours aussi la chance de peut-être faire sécher de la croûte sur quelqu'un d'autre aussi, qui se rebiffe, l'effet boomerang, mais qu'au final, selon l'étude, vous irez voir, hein, je vous partage les études. Et j'en ai deux autres ici, des liens. L'étude conspi du devoir, et je maintiens que mes classifications sont beaucoup meilleures que les leurs. Mais pas beaucoup, là, les leurs ressemblent aux miennes, là, mais les miennes, je les trouve plus complètes. Oui, je suis là! C'est à ce point-là, expert citoyen dans le domaine. Et l'autre, c'est quoi? C'est... Ah oui, allez voir le Twitter de André Noël qui a fait un très très long thread sur ce qui est sorti hier à propos de Arruda qui a oublié de mentionner des informations à propos de l'arsenic à Rouyn-Noranda. Moi, ça me touche particulièrement parce que je viens de Rouyn-Noranda et j'ai vécu ce genre de patente-là. On est à 10% de perte de la locomotive, mesdames et messieurs. Et sinon, ben, un dernier, j'ai trouvé très bien le document spécial. Merci, Zara. Le document spécial du convoi du devoir. Donc, voilà, vous les avez là. Et merci, tout le monde. On s'est rendu à la troisième gare de l'engouement. Le show commence. Hey, salut, jeu CA. On en arrive de Rouyn. Je suis Jean Danger. Ben, je pense pas. Oui, ça goûte la mine. C'est quelque chose à Rouyn que des fois... Tu sais, t'es-tu sorti dehors? Ouais, ça goûtait à la mine. Tu sais, c'est correct. Il faisait ça la nuit, souvent aussi dans le temps, vu qu'on dort, on goûte moins. Je pense que ça va nous amener au moment. T'es prêt, mon chum? Oui, je suis prêt. OK. Mean Machine, Max LaRue! Oh, c'est moi qui commence. Ah oui? Bon. Ben, j'avais envie de vous parler de la liberté, hein, ce qui est probablement le mot qui a été le plus récupéré, le plus mal utilisé dans les deux dernières années. J'ai voulu vous parler de liberté. J'ai pas voulu faire une grande définition. J'ai pas voulu non plus théoriser ça parfaitement, hein, malgré le fait que j'ai fait des études en philosophie. J'ai plutôt voulu vous partager comment, ben, l'impression que j'ai, ma perception, puis mon expérience de la liberté d'aussi longtemps que je suis capable de m'en souvenir. Ça a été l'objectif de mon éditorial. Quand j'étais un petit cul, la liberté, c'était quoi? C'était d'abord de découvrir le monde dans lequel je vivais. Doucement, mais à un rythme certain, mes parents me laissaient faire de plus en plus de choses, prendre de plus en plus de décisions et diminuer les règles qui encadraient ma vie. Jusqu'à l'âge adulte, je voyais la liberté comme une progression de ce que je pouvais faire puis une progression des décisions que je pouvais prendre pour moi-même. Ça a d'abord voulu dire ça, la liberté. Par contre, j'ai vite compris que ça venait avec des conséquences. Hein? On comprend la différence entre faire du bicycle dans son quartier puis pouvoir aller aussi loin que notre motivation est game d'aller quand on se fait voler le dit bicycle à 25 km de chez soi. Hein? Ça a l'air d'une expérience vécue. Tout à fait. Okay. On comprend que les obligations, c'est plus compliqué qu'on pense. Quand notre père ne peut pas quitter son travail pour venir nous chercher puis qu'on doit marcher les maudits calices de 25 km, OK? Le tout en pleurant sa rage et sa haine du petit maudit coquin qui m'avait volé mon vélo. Oh, t'es allé au fiefé, hein? Oh, tabarnak! Au secondaire, la liberté pour moi, c'est beaucoup devenu de me démarquer. Hein? J'ai choisi la culture générale. Je me suis dit, meilleure façon d'être cool, c'est d'être un peu nerd. C'est évident. La même année, la liberté, ça a aussi voulu dire apprendre à me défendre. Oh! Parce que. Gros secondaire! Oui. Par contre, j'ai continué à être un peu nerd,
J'ai continué à triper sur le cinéma, la littérature, les jeux vidéo, les jeux de rôle. Mais j'ai aussi commencé à triper sur le hockey, le football, le baseball. Bref, la liberté, à un moment donné, c'est devenu faire ce que j'aimais en me sacrant de ce qui est cool. Parce que de toute façon, je sais, moi, qu'est-ce qui est cool. Au cégep, à l'université, la liberté, c'est clairement devenu de militer et de résister. J'ai fait des grèves, j'ai participé à des manifs à la tonne. En 2012, j'ai participé à organiser avec mes camarades la plus grande crise sociale que le Québec moderne a connue. Là, vous allez me dire « Ah ah! T'es comme les débiles du convoi. » Non! Je dis pas que je suis fier de tout ce qui s'est passé à cette époque-là, mais je dis qu'il y avait une différence majeure. Puis j'irai même pas dans les comparaisons idéologiques, on comprend que c'est complètement opposé. Oui. Je vais vous parler de légitimité. Les conspis, c'est une gang de bros qui se réunissent ensemble pour brasser de la merde parce qu'ils ont le doigt. Esti, le go, tu pognais ça, go, le go! Ils débattent jamais entre eux, sont soit 100% amis ou 100% ennemis. Peur. C'est l'ultime incarnation de la chambre d'écho. Dans le mouvement étudiant, on n'était pas parfait. Oui, il y avait des chambres à écho. Les comités de mobilisation, les comités exécutifs des associations étudiantes, c'était des chambres d'écho. Mais pas nos assemblées générales. Puis aussi, le monde, il n'y a pas eu comme, mettons, un convoi qui est allé jammer une autre ville. Là. On manifestait dans nos rues à nous autres. Là, qu'on a... On s'est déplacé à aller bloquer beaucoup de villes. C'est sûr que ça va. Ouais, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on prenait nos décisions dans des assemblées générales où tous les étudiants et étudiantes étaient invités, puis tout le monde pouvait s'exprimer. Puis laissez-moi vous dire que les idées pour, les idées contre, ça s'exprimait. Puis on attendait d'avoir un vote majoritaire, donc l'appui d'une majorité de gens avant d'agir. On partait pas tout seul avec notre sac à lunch. Voilà. Dire, c'est nous autres qui décident, on fait ce qu'on veut, on fait ça pour vos enfants. Ouais. Puis pour moi, c'est ça la différence fondamentale. Dans les assemblées générales, on devait argumenter, on devait débattre, on devait aller chercher l'appui d'une majorité. Puis tout le monde qui était concerné par l'action qu'on voulait faire était invité. Aujourd'hui, je suis conseiller syndical. La liberté, c'est beaucoup devenu ma capacité à aider les gens à améliorer leur sort, améliorer leurs possibilités et par la même occasion, leur liberté à eux et à elles. La liberté, pour moi, c'est moins l'écart, c'est moins d'écart de richesse, plus de gens qui s'épanouissent. La liberté, c'est devenu collectif. Ça peut passer par des bonnes batailles, mais encore une fois, il s'agit de s'appuyer sur la démocratie, sur la légitimité, puis ça devrait pas trop mal se passer. Chose certaine, la liberté pour moi, ça n'a jamais été de faire ce que je voulais, quand je voulais, même si je nuisais à autrui. Ça a toujours été lié à des risques, à des conséquences, à des réflexions, puis surtout, ça devait être utile, la liberté. La liberté, c'est savoir que c'est pas parce que quelque chose n'est pas interdit, comme s'exprimer librement, que ça peut pas être cave de pousser la permission jusqu'aux confins de la désinformation, de la manipulation et du mensonge. Oui, Eric, c'est à toi que je parle. Le sauce Ferratu, man, le démagogue en chef, Éric Jemmem. Félicitations, très bel éditorial, merci. Merci. Je suis, j'abonde dans ton sens de plein de manières. Il y a une affaire que la pandémie m'a fait réaliser, c'est que des fois, je prenais pour la police d'un manif. Ça m'était jamais arrivé. Moi, je suis pas allé jusqu'à... j'ai arrêté de penser. Alors, j'étais là, man, c'est... Puis, tu sais, je veux dire, en 2012, je me suis fait tabasser. Là. J'ai pas retrouvé les photos. J'avais des bleus partout. Là. En tout cas, ça... C'est ça. Finalement, on les a tués, nos... Ah non, c'est vrai, on a revoté libéraux l'année d'après. On avait voté PQ pour la laïcité, c'est vrai. Pour plus Charest. Ouais, c'est vrai, ouais. Après ça, on a voté Couillard pour pas de référendum. Puis après ça, on a voté la CAQ pour plus de libéraux, puis ainsi de suite. Là. C'est ça qui se passe. Et voilà. C'est le fun, hein? On est... Vogue la galère politique. Vogue la galère positive, politique. Oui, donc je me lance dans le mien ici. Faut pas se leurrer, mesdames et messieurs. Victoire sur toute la ligne. L'an passé, à pareille date, j'avais autour de 300-400 vidéos à trier et au moins autant d'images. Cette semaine, j'avais 150 vidéos et environ 130 images à trier. C'est une excellente nouvelle.
Ça veut dire que mes pocheurs de clips pensent à eux et décrochent. Et ça veut surtout dire que les gourous de la complosphère sont en retrait en esti et retournent se terrer derrière des lives de 2 heures inécoutables pour le commun des mortels. Ce qui se passe, c'est pratiquement en entier de la chicane depuis 2-3 semaines. Certains crient à l'unité. Ce sont ceux qui ont le plus à gagner. Blé, grenier, pilon, des gars qui se sont peinturés dans le coin tellement puis pour toujours, puis qui ont besoin de la crédulité de leurs suiveurs pour continuer à avoir une carrière payée par des gens rendus anxieux par leurs paroles. Alors que pratiquement rien de ce qu'ils annonçaient ne s'est passé. Ces personnes crient à la victoire sur toute la ligne, eux autres aussi. D'autres engueulent leurs fans suite à la plus moite LMM ever. Salut, Libre Giroux. On ne peut pas être plus près d'une secte alors que les gens, encore convaincus par les promesses de leur gourou, choisissent trop souvent l'option de passer au niveau de hargne supérieur plutôt que le décrochage. Puis si vous ne me croyez pas, allez critiquer sur Twitter un statut moyen de chignage d'un autre gourou conspi qui a toujours été Team COVID, le sauce ferratu Éric Duhaime. Duhaime, appelé Calimero par mon papa, est de ces gourous de la bullshit qui a tiré très beaucoup des anxiétés de ses compatriotes au point de tenter de se faire élire pour un enjeu électoral fondamentalement inimportant, soit les masques et accessoirement les mesures COVID. C'est une excellente chose que tout ça s'effondre, mais bien que les mères conspies s'enlignent, j'espère, on verra, pour durer moins longtemps, je ne crois pas que la pertinence du show se soit étiolée. Je maintiens qu'on a collectivement le devoir d'adresser la bullshit qui sert aux charlatans. Faut pas non plus se sentir le besoin de montrer des affaires ou de transformer la maladie ou le malheur en spectacle. C'est très, très compliqué comme zone grise. Et je m'y trompe souvent, il y a plein de monde qui s'essaye, je m'y trompe souvent. La grosse menace du masque est en retrait depuis peu et les réseaux de chiolage organisés sont déjà à revenir sur les sujets éternellement chauds comme repousser les minorités, chioler sur l'immigration, les musulmans, les gays, la différence en général, et à transformer l'innovation technologique en combat à finir entre l'humanité et l'avenir. Des gars comme André Pitre, Blé, Alexis, Jean-Jacques, Duhaime ont plus le choix. Ils nous ont promis de nous défendre jusqu'au bout contre un ennemi qu'ils ont inventé. Ils iront jusqu'au bout et vont tous pouvoir se tourner vers d'autres fantômes pour continuer à transformer la peur de leurs ouailles en de quoi payer le loyer et même en rajouter pour maintenir leurs ouailles hypnotisées un petit peu plus. J'y pense, le Palpatine immortel Jean-Jacques Crèvecoeur s'est beaucoup mis en retrait depuis quelques mois. Le vieux monsieur tout séché est un escroc depuis tellement longtemps qu'il sait quand c'est le temps de se recroqueviller. Alexis a suivi presque tout de suite. C'est peut-être pour ça que le congrès de la Fédélatapouette a tellement pété d'en face à Blais puis au squad de comptables. Anyhow, cette semaine, j'ai vu plus de mimes climato-sceptiques que n'importe quelle autre semaine depuis le début de la pandémie. Et ce virgule, malgré qu'on est en plein mois de la fin des valeurs familiales. Tu sais, le mot de la fierté, là. C'est ça. C'est synonyme. La pandémie se termine. Tout s'est passé exactement selon ce que la science nous avait prévenu. La vaccination allait bon train. Un pays sous-vacciné a produit un variant Delta qui a retardé le déconfinement. Puis un Omicron, moins létal, plus contagieux, est venu retarder encore ces moments qu'on vit aujourd'hui. Il n'y a absolument rien de tout ça qui n'était pas sur le radar de la science. Les charlatans de la bullshit créent la victoire totale des nombreuses fois des nombreuses forces du bien de guerriers digitaux qui partagent leur bullshit entre eux. Mais dans les faits, selon moi, la majorité des désinformés prosélytes ont soit migré vers les plateformes de libertouille comme Odyssey, Telegram, Truth Social, oserais-je, ou soit il y en a beaucoup qui ont décroché. Il y en a qui décrocheront jamais parce qu'ils n'ont plus le choix. André Pitt sera jamais, à mon sens, de retour du côté du gros bon sens, vu que plus personne de pas sans dessin va avoir ever envie de travailler avec lui. À moins de changements d'attitude fondamentaux. Là, je pas André. J'y crois. Tout ça pour dire que tous les gourous charlatans sont en recul et qu'à défaut d'être convenablement punis par le système, ils se seront exclus eux-mêmes de la société.
Leur punition, c'est d'être maintenant prisonniers de leur chambre à écho, du moins jusqu'à la prochaine crise, avec de nouvelles peurs puis de nouvelles ouailles. Espérons que plusieurs de nos concitoyens vont avoir appris une leçon. La meilleure arme des charlatans, c'est la honte de leurs victimes de les caller out. Voilà. On dit que Petit Albert vient de prendre sa retraite. Un autre guerrier de la liberté, ouais, ça fait deux fois qu'il prend sa retraite, Petit Albert. Ouais. Et je ne crois plus à ça du monde qui prenne leur retraite du côté blabla. Là. Ben, comme disait ton comparse la semaine dernière, quand ils prennent leur retraite, ils ont plus de temps pour faire les lances. C'est vrai! C'est très, très, très bien résumé. Giz avait... oui. Ah, Giz, il a le tour. Il a le tour en esti. Et donc, ce soir, j'ai décidé de vous présenter un petit bloc sur le graphène. Le matériel de Satan découvert en 2004, duquel tout le monde parle. On va jaser Fête des Pères, Mois de la Fierté, une rétrospective des gourous anti-masques masqués, le portail est installé à Montréal, Zurlu est dans un délire total, André semble chercher de quoi chialer, le match de la LMM le plus moite ever. Et on a plusieurs retombées du convoi cette semaine, des mises à jour de Romano Didulo, un long dossier sur le retour de Harunachi et Harunakun et leur cochonnerie d'Orgo Life de cossin qu'on plug pour des vibrations. Des nouvelles du dossier de poursuite entre Lux Media et Radio-Canada. Marc Alain se lance dans l'organisation d'un projet de conférence publique. J'ai encore potentiellement envie d'y aller, là. Un autre gros dossier de guerre des croûtes. Il va y avoir pas mal de Joe Lindigo, hein. C'est pas mal comme lui qui est un des piliers de l'autre bord, il y a la fête de la Tapouette. Et c'est ça, il y a plusieurs petits dossiers, là, genre les élections en France, le crash de la crypto, les audiences aux States qui démontrent encore plus de crocheries de la part du clan Trump. On a du anal information aussi, pourquoi s'en priver? Des news de vraie dictature à Cuba, ça a brassé cet été et il y a des répercussions. Mais ce qu'il va y avoir de plus... dans le show de ce soir, c'est le seul des trois pays gourous sur la sauce encore fièrement devant le public. Le sauce feras-tu, Éric Duhaime, a organisé une soirée pour le départ de la grande Claire Samson de la politique. Ah, oh, Seigneur. Hey, hein? Et le festival gaulois s'en vient. Et on termine avec un 30 minutes à la fin. Deux grandes dames qu'on a suivies ici longtemps, qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Chantal Giguère de la Beauce qui va parler avec Lucie Mandeville, en direct de sa prairie suédoise. Ça devrait être tout un show. Et ben c'est ça, je pense qu'on est rendu là. Comment ça va, toi? Très bien. Parfait, fait que tu te sens capable d'avancer dans allons-y, les... allons-y, j'attendais ça avec impatience. Parfait, parfait. Merci tout le monde d'être avec nous. Amenez-en du Éric Duhaime, amenez-en. Amenez-en, si on en veut plus. Il paraît, Nathan, il est venu me voir, puis il a dit qu'on est le quatrième podcast au monde présentement avec la plus grosse le plus gros auditoire sur Twitch dans la catégorie podcast. Fait que, merci. Ben, merci à tout le monde d'être là. C'est rare, ça m'arrive, ce genre de patente-là. On le vit ensemble, hein? Tantôt, Max, il est en train de repartir son Tinder. C'est pas vrai, c'est une blague. Non, je sais pas ce que tu fais dans la vie avec ça. Anyway, Tinder, c'est pas mec. Fuck, man, shit. Et là, 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 là. Et ben, on commence le show de ce soir en vous informant que présentement, grâce aux efforts de Andy, hein, Show Andy, mon cousin et allié depuis toujours, le Musée de l'Absurde est rendu un Pokéstop officiel. Donc, si vous passez à côté, je trouvais que c'était important de vous le rappeler. Je pense que c'est une consécration. Il se passe quelque chose. On est bien ces temps-ci. On est bien. C'est littéralement, oui. Oui, c'est de la consécration. Je voulais pas te couper la parole. Et ici, ben, c'est frais de tantôt. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, le très, très fade Daniel Pilon, qui nous tient au courant un bon moment avec le producteur et réalisateur de la série complotiste, Jocelyn Benoît et Sylvain Laforêt. Donc, la série complotiste, j'ai très,
très, très, très hâte de voir ça. Non, mais je comprends pas, Daniel. Puis là, on dit... Disco Dan, on dirait qu'il s'en réclame là, d'être un complotiste. Mais il fait l'année passée. Nous autres les complotistes, nous autres les complotistes. Ah ouais. OK. Je sais pas s'il est rendu à la phase réappropriation, mais l'année passée, au mois de janvier 2021, il voulait partir le parti politique complotiste. Là. Ah. Il surfait en esti sur le fame drunk là, dans ce temps-là. Oui, oui, oui. Et en fin de semaine, on a fait la tadrospective. Hein, on a écouté du Tadros pendant plusieurs heures. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette photo-là. Et elle m'a fait rire. Je vous la montre. Merci à ceux qui sont passés. Encore une fois, il y a plein de gens qui sont venus sur place. Je me suis couché à 7 heures du matin le lendemain. Sous mort. Là. Depuis que je bois juste des affaires de pommes, comme du calvados puis du cidre, j'ai plus fait d'expérience de goutte. Fait que j'aime ça pouvoir être ça une fois de temps en temps. Moi, je suis le même. Voilà. J'ai le max approval. Et, vas-y, mon Tommy. Tiens, on va passer maintenant. Ah, c'était la fête des pères hein, cette semaine. Bonne fête à mon papa que j'adore. On va en lire une couple. Je te laisse lire du M. Tu vas lire toutes les du M à soir. Je sais yes. que tu l'aimes beaucoup. Oui, je l'adore. Essaye d'imiter sa voix. Là. Bonne fête à tous les papas du Québec. Offrons à tous nos pères ce qu'il y a de plus cher et de plus beau. Encore plus cher et de plus important qu'un bidon d'essence, de l'amour. Je t'aime, papa. Ben. C'est pas la pire affaire qu'il a dit la semaine passée, c'est ça. Non, mais hein? pourquoi t'as besoin de passer par ça? Et en plus, c'est une caricature d'Y, là. Il a pas mis le... En tout cas, souhaite bonne fête des pères à ton père. T'as pas besoin de transformer ça en exercice politique non plus. Là. Ouf! T'en manques pas une. Et non, effectivement. Et il y a quelqu'un ici qui a écrit ça cette semaine. Je l'ai trouvé fantabuleux. On a pas besoin d'enfants pour adopter une population. Au nouveau papa des Québécois, joyeuse fête des pères François Amalega, qui répond merci. Je n'ai pas choisi d'être l'enfant d'Amalega. Là. C'est niaiseux. Et Samuel Grenier aussi a une pensée humoristique pour cette belle occasion de souligner l'apport de nos papas dans notre société. Et il y a quelqu'un qui a commenté ici. Est-ce que tes filles t'ont souhaité bonne fête des pères? Tu es un bon papa pour elles. Bonne fête des pères à toi, Samuel Grenier. La twist ici, c'est que Samuel n'a pas d'enfant. Samuel a deux petits chiens, des petites chiennes, des chiens au féminin. Mm-hmm. Et c'est parce qu'on dirait, que tous ceux qui sont pas capables d'être inclusifs pour les gays. Mais n'importe quoi te transforme papa à le Satan. Oui, oui, c'est ça. Ça brise pas la famille. Ça. Non, ça, il n'y a rien. Aucune famille non, de briser. Non. Tes chiens, ils peuvent te souhaiter... L'anthropomorphisme, oui. La tolérance, non. C'est ça. Ben, il y en a un des deux qui est super faible. Merci. Et ici, la très belle photo. On se rappellera que Donald Trump a déjà dit en entrevue que s'il n'était pas sa fille, sûrement qu'il sortirait avec. C'est tout pour nous mettre à l'aise. Hein. C'est vrai que c'est une très belle madame, Ivanka Trump, à l'extérieur seulement. Cette vidéo suffit pour ne pas voter pour lui et pour un transfert à Bordeaux en attendant un procès pour crime contre l'humanité. Un Québec sans premier ministre et plus en sécurité. Les archives sont là, je ne vais pas checker la patente. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est que quelqu'un ici a commenté « Dieu nous demande de prier pour nos ennemis, Mathieu, blablabla. Moi, je demande à Dieu de me donner sa grâce, que j'en ai besoin. » Déjà, c'est mieux. Je te laisse nous lire, là, Maléga. Absolument. Mais Legault n'est pas mon ennemi. Legault est un génocidaire en pleine action, un papa qui se met à genoux pour prier pendant que l'on viole sa fille devant lui et qui ne prend aucune action pour la protéger, se moque du potentiel et de la responsabilité que Dieu lui a donné et par la même de Dieu. Ah, c'est à peine extrémiste. C'est ça, Legault. Legault, ce qu'il fait présentement, c'est qu'il est en train de prier pendant qu'on viole sa fille devant lui. C'est ce que Legault fait présentement. C'est ça. Écoute, c'est ça qu'il fait. Peux-tu m'envoyer le petit cendrier qu'il y a là, s'il te plaît? Oui, Astic Max, il est cool. Ça s'assure à côté de moi pendant un stream. Hein, tu te ramasses à C'est multitask, c'est multitask. Ah, c'est sûr. Tout tâche connexe qu'on dit dans les conventions collectives. Ah!
Ça, ça doit être des affaires qui sont pas dans les définitions de tâches, puis des fois, ça fait des chicanes, ça. Exactement. C'est pas ma job, faire ça. Des chicanes, ça doit être ta job un peu. Ah, non, non, je parle, c'est ça qu'on entend. Oui, ma job, c'est ma... la chicane, c'est ma job. OK, oui, oui, la reprise, oui, 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 je comprends. Ouais, peut-être que je serais bon là-dedans. Ma job, c'est faire du trou. Tu devrais avoir un move, Fred. Pourrais-tu me skider ça? Ma job, c'est de faire du trouble. Ma job, c'est de faire du trouble. Sorry, j'aime ça, j'aime ça. Et on continue ici avec, voilà, hein, père et fils dans la douche, l'amour est plus fort que tout. C'est Éric Duhaime qui est avec son papa dans la douche. Quel beau montage. Il tient vraiment à nous le rappeler. Hein. Ouais, ben c'est, ça, c'est un montage. Ah, okay, okay. Il est pas allé dans la douche. Okay, okay. Ça, ça arrêtait pour une... Je me suis fait avoir par la désinformation. Mais la qualité du montage Photoshop, quand même. Puis ça, ça serait une manière de honner la connerie. Et c'est ben mon, voilà, c'est mon billet de confirmation qui ben, m'a fait croire que cette image était vraie. Et voilà, et voilà. Et ben ça, c'est l'article que je vous ai partagé tantôt. Hein. Ça vient de PsyPost, avancé « Tread lightly with that », même si ça nous fait du bien de lire ça. Mais bon, c'est ça, les messages, les petites images, les memes, là, comme je vous en montre souvent ici, pro-vaccination pourrait... aider, hein. Il y a une série d'études qui révèlent que l'exposition à des mimes sarcastiques à propos des anti-vaccins a augmenté les intentions des résidents de UK, United Kingdom, hein, l'Angleterre et les affiliés. On appelle ça de même? Territoire conquis, affilié. Moi, je suis les deux. Moi, je peux être autant territoire conquis qu'affilié. Demande-moi là. Et un beau mime ici de nos amis de ménage du dimanche. Je te laisse nous le décortiquer. En novlangue, on ne dit pas être incapable de passer son tour. On dit Stéphane Blais. Oui, c'est, j'ai entendu ça. C'est un joke du crachoir la semaine dernière. Oui, voilà. Parce que ça, c'est bon. Ça, c'est comme Mathieu Bocoté aussi fait ça. T'sais, il est le gars qui invente le plus de mots dans une année. Mais ouais, ça, il parle de novlangue. C'est extraordinaire. T'sais, genre, c'est comme une espèce de... Là, il prend un mot, puis il met, il rajoute une couple de syllabes. Genre, c'est comme la transformation. Puis là, de sarbacanage. Oui, c'est ça. Puis là, après ça, là, il dit « Ah, mais on est dans la novlangue, on est dans la novlangue. » Fait que voilà, ouais, Stéphane Blais fait la même chose. Il essaie de nous étaler sa culture générale. Soit il l'a trop lu ou pas assez, là, je sais pas comment. Je sais pas que c'était 1984. Ça restera la fête des voilà. Pères. Ouais, non, c'est un roman tellement puissant que tu peux pas sortir avec la morale que tu veux de ça. Là. C'est, si, mettons, l'avenir de l'humanité, c'est un visage humain qui se fait écraser par une botte, puis que j'aime ça, les bottes. Peut-être que Stéphane Blais, il aime ça, les bottes. Peut-être. Peut-être qu'il aime ça, les bottes. Donc, anyway, Stéphane Blais, sus, c'est un hashtag qui existe. Et tiens, je te laisse nous lire, là. Le plus beau cadeau pour un père en ces jours sombres du Québec serait que nos enfants vivent la même liberté que nous avions eue jusqu'en février 2020 sans avoir peur de revivre encore et encore la vie de nos deux dernières années. Simonac! On avait de la liberté ça, ben, jusqu'en avril, en février 2020. Hey, après ça, il y a la Deuxième Guerre mondiale, ça a duré 7 ans. Ça a duré 7 ans. Londres se faisait bombarder quotidiennement. En tout cas, je sais pas comment dire ça, là, mais c'était vraiment pas si terrible les deux dernières années. Là. Non. Au Canada en plus. Ah oui, au Canada en plus, mais... Hein, non, c'est... En tout cas, il y a tout un moyen de chialer. C'est très croustillant, ça. Oui, il est écrit sur le... T'es con! Je l'aime, Max, aussi. Faut faire attention, c'est des chips au ketchup qui sont double croustillants, donc... Ultra croquantes. Ultra croustillacantes. Et tiens, un autre ici, Mylène Hébert, hein, qui est très, très, très au courant. On va l'écouter, c'est un des clips les plus longs que j'ai pour vous ce soir. Je ne l'ai pas écouté encore. Je me sens très, très, très mal à l'aise de comment Zurlu est en train de traiter son ex et sa famille. Donc, je ne veux pas faire de spectacle là-dessus. C'est pas supposé aller. Mais Gloriane Blais en parle et on suit un petit peu ça. J'ai quelques photos aussi pour vous tenir au courant parce que c'est un dossier qu'on a vu monter. Mais bon, voilà. Gloriane Blais a fait un live touchant hier. Elle s'est exprimée sur ses émotions en lien avec la cause de Pascal Zurlu-Antonin. Ça a l'air tout important, ça. Elle lui a envoyé son support et malheureusement, son live a été supprimé et elle s'est fait bloquer de Facebook pour 30 jours. Comprenez-vous l'ampleur de la situation?
Mes chers amis, le sens à Charles Turpinégonde. Je suis de tout cœur avec vous. Merci de tenir le fort dans l'amour, la transparence et la dignité. Je vous aime. Mais là, je suis en train de me dire, peut-être je suis mieux de ne pas le mettre, parce que c'est peut-être parce que ça traite d'une cause qu'il ne faut pas parler, puis que je sais pas pourquoi son live Facebook a été effacé. Peut-être c'est elle qui l'a enlevé, puis elle l'a pas dit à Mylène, qui a vu... En tout cas, on verra tantôt. Et c'est mon dossier, mesdames et messieurs. Quel influenceur anti-masque porte-t-il le mieux son masque? Et j'ai quelques... Tu sais, je connais des gens, puis tout, et vous allez voir... Il y en a plusieurs qui ont porté des masques. Hein. On aurait pu avoir le Alexis quand il est sorti de la quincaillerie avec les guerriers de la liberté. Hein. En haut à droite, c'est vrai que c'est croustillant, je ne m'attendais pas à ça. Daniel Pilon, ici. Tu es prévenu 4 fois. Moi, ouais, mon préféré, c'est Jean-Jacques, moi aussi. Là. C'est rare que je dise ça. Là. Ça n'a pas de style comme ça. Il y en a d'autres ici, hein? Amalega, qui est allé crasher. Il a mis. Il a fini par s'abaisser en en mettre un. En mettre un, mais c'était pour infiltrer, là. Il a passé 2 mois en prison pour son parce qu'il voulait pas droit crisser. De ne pas le porter. Ouais. Aïe, aïe. Ouais, c'est niaiseux. C'est vraiment très niaiseux, hein, les farfadas ici. Qu'est-ce qui arrive avec Steve? Ben, il est plus sur les réseaux sociaux trop, tant que le procès. Des suites du convoi n'est pas terminé. On s'ennuie quand même. Oh non. Oh non. Mais au moins, c'en est un qui est capable de respecter ses shit, lui. Tu sais, c'est pas tout le monde, là. Comme Mario aussi, c'est arrivé une couple de fois qui a fait non, filme-moi pas, il faut pas. Tu sais, c'est le fun, là. Ça nous aide tout le monde à passer à d'autres choses. Et sa sainteté, Stéphane Blais ici, qui... Les gens, ils ont partagé ces photos-là. Et tiens, je te laisse nous lire ça. Nadia Chioche, c'est Anna l'information. Au début de la pandémie, elle faisait des masques. Bonjour à tous. Avec la menace du coronavirus devenue une pandémie et avec la pénurie de masques dans le monde, j'ai dû, pour ma famille et moi, fabriquer des masques en tissu 100% coton double épaisseur. J'en ai fait 4 de plus de Walking Dead depuis que mon entourage a vu ce que je faisais. Ils m'ont dit d'en faire profiter les autres, alors voilà que je prends donc les commandes en PV. Surveillez ma boutique et ma page Facebook, c'est Nanar. Elle a de quoi sur Nana, hein, quand même? C'est parce qu'elle s'appelle Nadia, je l'apprends ce soir! Ouais. Pour ne rien manquer, merci. Fait qu'elle a déjà été bien chill, là, avec la, avec la pandémie. Ouais, là. Ouais, elle a déjà fait de l'argent avec ça, là, que... Non, c'était... mais de manière légitime, là. Oh oui, j'ai rien contre ça. Elle reconnaît la pandémie, le coronavirus devenu une pandémie qu'une pénurie de masse. C'est là, ça, pas c'est de ça. Sauce, c'est... Là-dedans. Non, à date... Ça aurait été le fun qu'elle continue dans cette direction-là, oui. Mais il y avait moins de clics dans cette direction-là. Okay. Il y avait moins de QAnon, moins d'Alexis. Jonathan Blanchette, ici au Palais de justice en janvier 2020. Ça serait juste pour dire! Et ça, moi, je pense que c'est Lys Blanc. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est Lys Blanc. Et c'est récent, là, ça, je rendais du convoi. Hey, lui, il est difficile à percer. Hé, mais hein? Comment il fait pour respirer? T'sais? Je sais pas. Il garde ses morgelons en dedans. C'est dangereux. Il donne-toi une chance, pauvre petit. Je sais pas c'est qui. J'ai aucune idée. Mais il garde ses morgelons par en dedans. C'est vrai. Es-tu malade? Ah, hey, pour vrai. Bon. Ben, là. Ah oui, c'est... J'inquiète. Puis j'inquiète. Il est dans son char, en plus. Je sais. Il re-respire. C'est Yann Rochdy. Au début, il avait peur. Merci beaucoup, Spark. Merci beaucoup. Yann Rochdy, le grand. Et ça, on a vu ça aujourd'hui. Hein? Si vous aviez un crédit illimité, qu'est-ce que vous achèteriez en premier? On s'entend qu'il faut être atteint en esti pour répondre ça. Effectivement, on en parle souvent ici au Mère Conspire, mais il y a une espèce de décomplexe. Tu sais, pas dans le sens de rendre ça plus simple, mais dans le sens de rendre ça bien correct d'en parler. Tu sais, avant, j'ai tout le temps dit que la plus évidente famille conspirationniste, c'était les Born Again, parce que triper sur Dieu puis Jésus, tu peux faire ça en public, puis le monde, tu sais, c'est correct. Ah, oh, mon Dieu, tu sais, on peut dire ça. Les Mormons. Genre, puis tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes de degrés après ça, mais oui, effectivement. Mais, de tu sais, il y a un thread pour ça, puis là, il y a quelqu'un qui dit une auto, ma coloc dit un bloc appartement, ou moi, une maison avec un balcon qui fait le tour de la maison. Puis lui, ce qu'il ferait, c'est qu'il louerait la guillotine pour un jour ou deux
et je l'utiliserais pour Justin Trudeau et Chrystia Freeland. C'est comme, en plus, il est un peu économe. Oui. Parce qu'il la louerait. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est du crédit illimité, il fait tous les enfers une. Ça n'a pas l'air super compliqué. Chez le locateur de guillotine. De guillotine, oui, oui. Guillotine Zara. Tu peux en acheter une neuve, mais écoute, le prix de la location est difficilement battable. C'est ça qui se passe en estime. S'il y a un problème, la deuxième location est gratuite. Est-ce que c'est du bon service? Et sinon, ben... C'est niaiseux, je louerais. T'sais, pourquoi je louerais pour un jour ou deux? T'sais, c'est comme... Tu t'essayais-tu d'avoir l'air raisonnable? Genre. Mettons, Justin, il n'est pas disponible le premier jour, puis qu'on fait juste Chrystia, ben elle sera là dans le lendemain. Un jour, en tout cas. Puis je veux pas aussi que le monde qui la monte puis qui la démonte, que les techniciens soient brusqués, tu sais, dans leur... Fait que ça, si, mettons, vous avez quelqu'un de votre famille, un mononcle, qui fait bon, ça, hein. Ben non, c'est pas correct. Faut y parler à cette personne. C'est nocif, en esti, comme attitude. Et ben, je t'en forme, mais sans forme en soi, Tommy, on va du fun. Malgré ma voix de fumeuse de gitane. Veux-tu un shooter de Calvados? Ben oui, pourquoi pas? Veux-tu un shooter quelque part? Non, c'est comme un pirate. Voilà. Et sinon, ben ça va nous amener à la fin de l'enregistrement de l'extrait de cette semaine. Ça, je vais le donner gratuit à tout le monde. Pour avoir l'archive, il faut coter au Patreon de douteux.org ou du crachoir. On donne les deux nos cadeaux différents là-dessus pour ceux qui sont live, parce qu'on est encore live pour une couple d'heures. On va aller voir Mathieu Nadeau-Vallée. Quel sympathique gaillard. Alors, 76% des effets secondaires après la vaccination COVID sont liés à des effets.